C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons dans le salon de la culture et de l'identité réunionnaise pour rencontrer monsieur Jules Bénard qui parle si bien de son enfance au temps de la Réunion longtemps. Et c'est tout de suite, suivez-moi dans ce numéro de Sous la Varangue. Nous ne présentons plus monsieur Jules Bénard et monsieur, vous êtes auteur de plusieurs livres sur La Réunion. Vous êtes même on va dire que la... Oui, tous mes livres ont pour cadre La Réunion. Les 40 livres que j'ai écrits sont à La Réunion. Ouais. Et justement, la dernière trilogie que vous avez écrite, c'est Souvenirs d'une enfance créole, tome 1. Tome 2 et celui qui sort 6, c'est le tome 3, voilà, Souvenir d'une. Au début, je voulais appeler ça Souvenir d'enfance, mais comme il y avait un illustre prédécesseur, Marcel Pagnol, qui avait écrit ses Souvenirs d'enfance, alors j'ai mis Souvenir d'une enfance créole. Bah oui. Et pourquoi une enfance créole? Parce que, je parle de cette époque-là où j'étais loin, il y avait un gosse de la rivière Saint-Louis comme moi, ou un gosse de Saint-Pierre, ou un gamin de Saint-Leu, ou un petit malbord de Saint-André, nous avions un socle commun de souvenirs. Mais en plus, dans chaque coin, chacun avait ses propres souvenirs. Celui de Saint-André n'aurait pas eu tout à fait les mêmes que les miens. Par exemple, et même dans le vocabulaire d'ailleurs. D'accord. Et donc, alors, votre enfance, vous l'avez passée à Saint-Louis, à la rivière. À la rivière Saint-Louis, oui. Et je crois que je me souviens d'un article de vous là sur les réseaux sociaux. Vous disiez qu'à la rivière Saint-Louis, la façon de parler était très chantée. Je me souviens de cet article là. Mais à cette époque, il y avait beaucoup de champs de canne et très peu de maisons. Ouais. Et les gens se parlaient à deux ou trois collines de distance. Ah, d'accord. Et le son était poroté par le val, par le vent, par les flots de canne. Il dit « Oh, comme ça l'a fait. » Oui, mais je me souviens de cet article-là, et dont vous compariez aussi au chanteur, là, je ne sais plus quel chanteur. Oui, c'était une façon de parler qui était aussi chantée. Vous deviez parler à vos voisins qui étaient à plusieurs mètres, donc voilà. C'était un style de vie. À Saint-Joseph, ils chantent pas mal, et à Grand Bassin de Rambuy, à Mipédiao, demande de boire. Daniel Babois, je me souviens de ces sketchs là, Babois là. Alors cette enfance, justement, elle est devenue très différente de celle que les gens ont connue, parce que maintenant c'est la modernité, maintenant c'est la société de consommation, les réseaux sociaux, c'est une société beaucoup plus matérialiste. Avant les gens avaient peu, mais ils étaient plus de contacts. Oui. Parce que tout ce que les jeunes ont à leur disposition aujourd'hui, même quand j'étais môme, mais quand j'étais adolescent aussi, pareil. Ouais. L'ordinateur, on ne savait même pas, c'était encore à inventer. Ouais. Tout ça, la télévision n'existait pas à La Réunion. Ouais. Elle est arrivée en 64. Quand on était jeune, la radio, c'était Radio Saint-Denis, qui diffusait 3 heures par jour. Ouais.
3 heures, hein, dont une heure avec Luis Mariano et... Bon, bref. Oui, voilà, c'est Luis Mariano que je cherchais, là. Dans votre article, vous disiez qu'à la rivière Saint-Louis, lorsque vous parlez, c'est comme si vous chantiez en créole, et c'était un peu c'était un peu des chansons dans le style de... Enfin, c'était une façon de vivre un peu comme Luis Mariano, c'est une façon de parler, de chanteur, sûr, quoi. Bien sûr. Donc, la radio, c'était 3 heures par jour. La télévision n'existait pas, on n'avait rien, mais on ne manquait pas d'imagination. Oui, oui, oui. Alors ça, pour faire les 400 coups et faire les cons, on était très fort. D'ailleurs, notre boyau, il siffle encore sous le coup de fouette pour gagner. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est dire aux jeunes d'aujourd'hui, qui ont d'autres centres d'intérêt, bien sûr. Hein. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est, comme je disais à notre ami, c'est... raconter afin que ça ne se perde pas comment on peut être en réunion à une époque. Voyage, par exemple, pour faire un voyage à Saint-Denis depuis Saint-Joseph, il y a 3 jours. Une journée pour venir, une journée pour faire des affaires, une journée pour retourner. Et puis, comment se débrouiller aussi, parce que il n'y avait pas de radio, ils n'ont pas de radio, c'est sympa. Ils ont raison d'en profiter, de dire que on peut avoir vécu autrement en ayant été heureux. C'est sûr. Papa est montré, alors qu'il était très jeune, il avait 33 ans. Donc on a vécu pauvre. Oui. Mais je ne me souviens pas d'avoir été malheureux. Ah oui, oui. Ouais, c'est sûr que à l'époque, c'était une société qui était très soudée. Il y avait aussi l'église qui était là pour aider les gens. C'était les gens sur... Enfin, les gens aidaient l'église beaucoup. Hein. Oui, ça faisait plus le contraire. C'est les gens qui étaient de l'église, en fait. Ouais. Mais il y avait les copains de classe qui étaient aussi des copains de week-end. On se rencontrait, on allait faire les 400 coups, et ça fouille patate cochon dans la ravine des ruines. Où on descendait de la rivière jusqu'à l'étang du Gol, il y a plus de 5 km. D'accord. On descendait à pied, on allait se baigner. Ah, d'accord. Et puis on remontait parfois en courant. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'était une vie, on va dire, proche de la nature. Très, très proche. Une vie saine, et puis j'imagine que les parents étaient beaucoup plus sévères que les parents modernes. C'était plus... par exemple... Oui, nos parents nous apprenaient par exemple le respect des anciens. Oui, oui. Dans le chemin, quand on marche dans le chemin, on regarde pas grand monde dans les yeux, hein. Vous avez rien à voler déjà. Et si vous racontez ça à la case, il y a une doubleuse. Oui, ben, je crois que c'était pareil pour les professeurs, par exemple. Donc, oui. Quand il y avait un marma qui travaillait mal, et ben, il se faisait gronder par le professeur. Et après, t'es gagné un coup de baguette. Ben, voilà, il gagnait le balancement avec le papa. Il raconte pas à la famille. Hein. Ah oui, oui. Parce que quand tu gagnes balancement avec la maîtresse de l'école, ben, la pentecôte est dure pour remonter ça, parce que les téléphones, la fine ronflée entre le directeur et j'ai là-bas. Ah, oui. Et quand on arrive à casa, ben là, maman, elle t'en a aussi le bas de la porte comme ça, avec un petit fort pêche dans le jour. Quand il te remonte la pentecôte, tu fais 1 mètre en avant, 2 mètres en arrière. Non, parce que maintenant, c'est tout à fait le contraire. Par exemple, quand il y a un élève qui travaille mal en classe, ben, c'est les parents qui viennent gronder le professeur. Ouais, c'est le monde ouais, à l'envers. Ben, quoi. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de respect. Et en fait, je pense que les anciens ont beaucoup à nous apprendre. Quoi, parce que, quelque part, les gens issus de la société moderne, on a un petit peu dégénéré, quelque part. Et on a besoin d'être remis dans le droit chemin, j'ai l'impression. Ben, quand je dis dégénéré, ça me voit un peu fort, mais peut-être que... C'est un peu le même problème qu'il y a dans l'éducation. Un problème que je connais bien, parce que j'ai été enseignant avant de devenir journaliste. En tant qu'enseignant, à l'époque, nous avions le pouvoir disciplinaire. Oui. Et on a supprimé ce pouvoir disciplinaire avec les jeunes d'aujourd'hui. Alors comment voulez-vous apprendre quelque chose à des élèves que vous ne voyez pas obligés à fermer leur gueule? Ben oui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors pour revenir à ces trois tomes, ce que j'ai voulu raconter aussi, avant que ça ne soit oublié, c'est qu'il y a une époque où, en dehors de ce que nous avons raconté, la réunion était totalement différente, elle était vraiment coupée en deux. Ouais. Parce que avant 63, il n'y avait pas de corniche. Ouais. Alors expliquer aux gens d'aujourd'hui
qu'à une époque, il n'y avait pas de corniche. Je me dis, mais comment ils faisaient? Il y avait le petit train. Oui, mais par exemple, mon grand-père, Justinien Vitry, qui habitait dans les Bas-de-Chantilly à Saint-Joseph, quand il voulait venir voir son frère à Saint-Denis, il lui fallait 3 jours. Ah oui. Parce que le matin, descendre à pied depuis 3h du matin jusqu'à l'église Saint-Joseph, prendre le vieux taxi de M. Grosset jusqu'à Saint-Pierre, à Saint-Pierre, prendre le petit train, tagadagadat. Il fallait une journée pour partir, une journée pour faire ses affaires et une journée pour revenir. C'est pour ça qu'à l'époque on disait que quand on allait de Sagny par exemple à Saint-Pierre, on nous disait le terme voyager parce que c'était toute une expédition quoi. Ben bien sûr. Avec mes frères, quand j'étais pensionnaire au vieux lycée Le Comte de Lille, rue Jean-Châtel. Bon, on était pensionnaire, on avait le droit de rentrer dans la boule de famille le dernier samedi du mois. Alors après la dernière classe à 11h, on courait à la gare de Saint-Denis, on prenait l'autorail jusqu'au port. Au port, on prenait le car et ATR, c'est-à-dire l'ancêtre des cars jaunes. Bon. On arrivait à Saint-Louis. À Saint-Louis, on prenait la fourgonnette Patel pour aller à la rivière. On était chez nous à 7h du soir. Mais la fourgonnette Patel, c'était pas le genre de petit car courant d'air, c'est autre chose. Non, le car courant d'air, c'est... Bon, ben, ça, tout le monde sait ce que c'est. Ouais. La fourgonnette, c'est comme... Minivan, d'accord. Avec une quinzaine de places à l'intérieur. Et on disait, moi je dis la fourgonnette, mais quand on parlait, nous on disait la fourgonnette. La fourgonnette. C'était une époque agréable. Oui, c'était. J'imagine qu'il devait y avoir moins de délinquance et plus de respect. Il y avait, les gens avaient plus confiance en leurs voisins, peut-être. Il y avait plus, c'est une société qui était basée sur le respect où les enfants avaient été bien éduqués. Quoi, et la peur de la loi y existait. Ouais. La loi, c'est-à-dire le gendarme, bien sûr. La loi, c'est le gendarme. Mais quand on. À la rivière. Le soir, en plein été, la nuit, il peut faire chaud. Oui. Nous, on dormait fenêtre ouverte, mais sans en rien penser. Oui, je crois que on me l'avait raconté, ça, que dans le temps longtemps, les gens dormaient les volets ouverts, et ils n'avaient pas peur des cagnards, des voleurs et tout ça. Oui, c'est maintenant. Plus tard, c'est, après, lorsque j'étais surveillant au lycée, et je faisais des études, et j'avais un petit appartement à la tour du Bois de Neuf, à Saint-Denis. Le vendredi, je prenais ma petite bagnole ou la Vespa pour aller voir ma mère à la rivière Saint-Louis. Ben, je laissais mon appartement ouvert, que les camarades puissent en profiter pour... C'est étonnant, ça. Oui, voilà. Et il y avait une vraie confiance vis-à-vis du prochain. Et je revenais le dimanche soir, c'était impeccable. Il ne manquait pas un bois d'allumettes. Non, c'est fou ça. S'ils avaient bu un Orangina ou un Coca dans le frigidaire, ils remplaçaient. C'est incroyable. C'est fou ça. Maintenant, c'est devenu impensable à notre époque, hein, qu'on puisse laisser la maison dans la case ouverte. Aujourd'hui, on ferme la porte, ils entrent par la fenêtre. Ah oui, bah. C'était un monde tout à fait différent et. J'ai voulu faire un travail de mémoire que les gens n'oublient pas. Ouais. D'ailleurs, les photos qu'il y a sur les 3 tomes, Ça, c'est le premier tome. Le deuxième, je crois qu'il est là. Le deuxième, il est avec aussi. Non, il n'est pas dans les tissus, le deuxième. Il est là, le deuxième. Ouais. Le deuxième, voilà. Ça, c'était la SIM card ronde de mon papa. Ah, d'accord, oui. 16 AM 974. Et puis, les livres, ça, c'est des petits livres de... Les petites bandes dessinées qu'on achetait chez le Chinois, les petits cow-boys chez le Chinois. Bon, ben, les Shadows, Elvis Presley, toutes mes passions d'enfance. Oui. Et pour la musique, c'était les Jokari, je crois, non, à l'époque? Alors, les Jokari, c'était des amis à moi en plus. Ah, d'accord. Et il y en a deux, malheureusement. J'avais mon tonton, c'est René Dupuis, qu'on appelait petit René. Lui, je crois qu'il connaissait les Jokari, c'est ses amis aussi. Tout le monde connaissait les Jokari. Tout le monde les connaissait, oui. Parce que. Il y en a deux qui sont morts l'année dernière, d'ailleurs, André Legras et Daniel Mingard. Ouais. Bon. Et c'était au début, ils voulaient devenir un orchestre yéyé. Mmh. Mais ils ont tellement bien chanté les chansons de Foucault qu'ils sont devenus l'orchestre folklorique par excellence. Ouais. Mais de bons musiciens, des gentils garçons, et plein d'humour et tout. Mais il y avait d'autres bons orchestres, si je me souviens. Ben, l'Hôpital,
Jules Arlanda, Claude Vincent, le grand Claude Vincent. Là, que l'on peut voir là dans, je crois que c'est dans, oui, dans oui. le 3, là, oui. il joue de l'accordéon. Oui, c'est lui. Ouais, c'est lui, ouais. C'est dans le 3, on peut le voir. J'avais vu. Oui. Ouais, c'était lui. Et dans le sud, il y avait de grands orchestres aussi, l'orchestre d'André Philippe, dans lequel jouait et chantait Jules Joron. Ah oui, ouais, oui, Voulez un canard. Ouais. Ouais. Bon, il y avait l'orchestre Sonnerie à Saint-Joseph. Ouais, ouais. Et c'était des orchestres qui jouaient tous les week-ends. Mmh. Le samedi, ils faisaient un bal. Le dimanche, ils faisaient un mariage. D'accord. Ou une jibrise partie. Et ça, je le sais parce que moi-même, j'ai joué de la guitare dans des orchestres de bal pendant plusieurs années. J'ai joué dans l'orchestre Génération à Saint-Louis avec Bardon, Valli, Guy Taquet, ouais. Mathis Caff. On se rendait compte, du haut de l'estrade, du plaisir que les gens avaient non seulement à danser, mais à écouter et ouais. regarder les musiciens. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, je ne vais plus dans aucune boîte, mais la musique de DJ, je l'ai en horreur. C'est pas de ma faute, hein. c'est pas de la musique, d'ailleurs, c'est du désordre. Ouais. Et c'était. J'ai joué aussi parfois avec la GR de la Bastide. Avec les Superjets, j'ai joué avec eux de temps en temps. C'était une époque différente. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je ne me trouve plus à ma place dans la région d'aujourd'hui. Oui, c'est trop. Ça, la modernité a tout mangé, en fait, la modernité, oui, l'influence américaine. Une chose que je trouve dommage, c'est que les jeunes n'ont plus du tout de contact entre eux, contrairement aux apparences. Ils disent, oui, moi j'ai 600 amis, moi j'en ai 2000, etc. Mais c'est de l'amitié virtuelle, ça. Ouais. Mais où est le plaisir de se rencontrer? Ouais, c'est sûr. Avant, quand je montais marcher rue des Bons-Enfants à Saint-Pierre, je trouvais un copain, ah, salut André, salut Jules. Bon, et deux heures après, on était encore là à discuter. Ouais. Aujourd'hui, je croise un copain rue des Bons-Enfants, salut Jules, excuse-moi, viens, j'ai un rendez-vous. Les gens ne prennent plus le temps de discuter. Quoi. C'est la société fast-food, quoi. C'est le. Voilà. Les gens, on essaye d'aller le plus vite possible, mais on ne prend plus le temps. Quoi. Ben oui, maintenant, un rougail pistache. Plus personne ne sait faire un vrai rougail pistache. Ce qu'ils appellent rougail dakatine. Ouais. C'est pas un plat traditionnel chez nous, ça. Ah oui, donc ils ont remplacé les pistaches par de la dakatine, ouais, parce que ça va plus vite. Ouais. J'en connais même qui font du rougail graton avec le graton pikistache en boîte. Écoutez. Ça ne mangeait cochon, ça. J'espère que vous avez apprécié cette visite à la Nordève, au Salon de la Culture et de l'Identité réunionnaise. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.